Bonjour à tous, donc on reprend sur Xenonauts, on était direction le vaisseau qui était atterri. On avait découvert la base alien qui était en Australie et des grands vaisseaux qui débarquent. Des grands vaisseaux qui débarquent. Peut-être avec des nouveaux aliens encore. Hein. Au niveau des recherches, hein, toujours interrogatoire alien du leader, hein, c'est ce qu'il faut faire. Et un nouveau vaisseau qui est un intercepteur. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on construit? Donc, bon, je me permets de refaire toujours ça parce que moi-même je redécouvre hein, quand je lance le jeu. Hein. Donc, on construisait encore un corsaire. Mais justement, on va peut-être arrêter de construire trop les corsaires. Et il y avait encore un tank. Voilà, on équilibre tout ça. Et puis, on va faire la petite mission. En plein jour, on a de la sulfateuse, on a du plasma, tout devrait bien aller, du moins j'espère. Alors donc j'ai également fait tout à l'heure une vidéo sur le jeu XCOM Enemy Within, donc si ça vous parle, hein, logiquement c'est un jeu qui a déjà quelques années. Mais avec le mode Long War, je vais mettre en ligne, logiquement, il devrait bientôt être en ligne. Pour demain, je pense. Ce qui permettra de voir ce que c'est déjà le nouveau XCOM. Hein. Et j'ai fait ça, en fait, tout simplement, parce que le 2 va sortir. Et avec le mode Long War, je pense que ça aura qu'un petit aperçu de ce que sera le 2, en fait. Hein. À voir, hein. Voilà. Alors, on va avancer. Ah. On avance prudemment. Ouh, il a un beau fusil, lui. Il a un beau fusil. Est-ce que le sniper peut l'avoir éventuellement? Donc 73. On va faire un bon tir visé. Même pas. On va faire deux tirs normaux. Enfin, un seul suffit. Hein. Alors, un de moins. Ah, le sniper commence vraiment à devenir efficace. Toi, tu vas dégager parce qu'en fait, je vais amener les sulfateuses qui devraient pouvoir tirer ce gugus. Voilà. Donc les Cézannes, hein, qui me font plus très peur hein, finalement maintenant, hein, avec les armes que je me paye. Alors lui carrément, armure Wolf, sulfateuse, grenade, il est prêt lui, hein, il est prêt au combat. Voilà, donc toujours se méfier. On connaît le. On sait ce qui peut se passer avec les Reapers. Voilà, donc faut toujours rester sur ses gardes. Alors lui. Ouais, il peut aller ici, c'est parfait. Et ce serait intéressant d'aller sur le toit aussi, ouais. Ça peut être intéressant. C'est pas grave. On sait où il est. On va se barrer. Et au prochain coup. Au prochain coup, on l'aura.
Voilà. Ah, il y a un psionique. Ouais, le sniper commence vraiment à devenir redoutable, hein. Je pense que je vais peut-être quand même en faire un plasma, hein, finalement. Voilà, là ça me permet d'avoir une vue dégagée sur tout ça. On reste en tir visé. Se méfier également ici, hein. Donc toi tu restes en tir normal. Oui, toi tu as paniqué. D'ailleurs le moral n'est pas au beau fixe. Voilà, c'est limite dangereux d'y aller tout seul. On va emmener quelqu'un avec toi. A priori, il n'y a pas grand monde. Alors, toi, ça peut être intéressant de se mettre ici. Ah. On va quand même se mettre à couvert, hein. Donc ici, ça peut pas venir. Donc ouais. Là, c'est pareil, c'est une bonne planque. Toi, tu vas te mettre ici. Et oui. Ouais, tu peux même balancer une grenade, c'est parfait. 74%. On va pas hésiter, hein. Allez. Pas mort, c'est pas grave, on passe le tour. Donc du monde dans le vaisseau. Alors moi je peux pas le toucher, par contre lui il peut me toucher, hein. Le 29 unités de temps. 41, c'est largement suffisant. Voilà. Et on se barre. Alors je me mets ici au cas où quelqu'un arrive, hein. Ouais, donc il avait tué quelqu'un. A priori ici, il n'y a pas grand monde.
Ah bah voilà, le vaisseau. Ok. Donc ce qui nous libère déjà d'un poids, on peut facilement rentrer ici. Justement. Parce que là on a accès directement sur le vaisseau, ça peut être intéressant. Je vous dis, on y va calmement. Ah si, on peut quand même passer par ici. On peut quand même y aller. Mais toi, je vais plutôt te mettre en retrait. Ah, on le voit ici. Et un deuxième. Il y a du monde dans les étages. Alors. Mmh. 22 x 3, je préfère faire 62%. Plus intéressant. Voilà, toi tu peux aller ici. Ouf. 50%. Et on se laisse. Tant qu'on peut en avoir un, on le tue, hein. Parfait, donc là il n'y a vraiment personne. Vingt-quatre, je peux encore faire un tir rapide. Raté. Ouais, il y a des portes un peu partout, là c'est un peu craignos. On va rester à l'intérieur. Est-ce que tu peux avancer, tu peux voir à l'intérieur s'il y a quelque chose. Ouais, c'est pas très malin de l'avoir monté là-haut finalement. Le sniper, lui par contre. Je suis sûr que tu peux faire quelque chose de très bien sur ce bonhomme-là. Voilà. Bah, handicapé, là, ça fait déjà le troisième, hein. Mine de rien. Donc, il reste pas énormément là en haut. On va quand même envoyer les... Non, on va pas envoyer les deux fusils à pompe, on va quand même en garder un ici.
On va laisser. Voilà, on va rester comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc il y a encore quelqu'un qui n'est pas dans le vaisseau. Reste encore un bonhomme. On va juste déjà voir ici, je pense qu'on aura une belle vue. Ah non. Je préfère que tu regardes vers là. C'était pas du tout ce que je voulais faire, mais au moins on sait où il est. Qu'est-ce que t'as, toi? 62. 65. Ouais, c'est pas terrible. Voilà. Donc 34 x 2, on peut avoir deux fois. Même si une fois ça suffit. Alors toi, tu vas quand même regarder de ce côté-là. Non, reste comme ça, parfait. Ensuite, toi tu vas descendre, il n'y a plus aucun intérêt à rester ici. Ouais. Voilà, tu restes là. Le sniper sera très bien à tes côtés. Le fusil à pompe. On va le mettre. Voilà. C'est quoi ce petit bug là avec... Je sais pas. Donc c'est un jeu fini, mais bon, pas dénué de bugs quand même, hein. Je passe des petites ailerettes qui remontent peut-être. Ouais. Ouais. Voilà. Là, c'est bien joué. On a un bon angle. Toi, tu vas découvrir... Tu vas monter par là. Et on va faire passer le tour. Je vais essayer de le choper, hein. Je vais essayer de le choper. Je parle du psionique, hein, évidemment. Voilà, on se prépare à entrer. Donc lui, il a un bon angle. Toi, tu passes par là. Donc finalement, t'as un peu la mission d'éclaireur, hein. Là, on peut rien trouver. Deux fusées à pompe, ce sera pas trop. On vérifie encore ce qui reste là en haut. Bon, a priori, il ne reste plus grand chose.
Voilà. Écoutez, là, s'ils ouvrent, ça va être le carnage, clairement. Donc il y a du monde, hein. Il y a du monde dans le vaisseau. Je voulais juste encore sauvegarder, hein. On n'a même pas encore sauvegardé la partie mission. Et la base, je la ferai quand j'aurai le tank. Allez, c'est parti. Oh, y a personne, quoi. Il n'y a vraiment personne. Voilà, donc on va faire comme ça de chaque côté. Ça nous fait une belle barrière. Ouais, alors je veux bien savoir qui c'est qui a tiré. Parce que là, vraiment, on voit personne. Le sniper. Effectivement, on n'avait pas découvert certaines zones, mais bon, a priori, c'est pas là. Ah, petit filou. Enfoiré, t'étais bien caché. Je peux faire un tir rapide. Allez, on va tenter un tir. Ça n'a pas marché. Ah, c'est pas génial, ça c'est pas génial. Allez, toi tu recules, on sait jamais le coup de la grenade, là j'ai encore en travers. Et ce que j'aimerais bien faire également. C'est attraper du Sézanne psionique. Ouf, personne. Allez, on va prier pour pas qu'il nous tue quelqu'un. Ah, l'enfoiré. Bon, les bleus, je peux les tuer, hein. Tu oses toi encore appliquer, espèce d'enfoiré. Alors, on va d'abord se mettre en rafale. On va fouiller à côté, voir s'il n'y a rien. Bonne chose. Voilà, et on tire normal. En rafale. Voilà, on va se préparer tout doucement à monter, hein.
On va se préparer à monter. On va choper le psionique. Peut-être pas un coup de bâton, mais certainement un coup de gaz. Hein. Allez, toi, si tu peux encore venir, tu viens. Alors, je sais pas si le fait de bouger, ça donne de l'expérience au niveau unité de temps ou quoi que ce soit. Je ne pense pas, hein, mais bon. Pardon, je suis en train de replacer ma souris, ça part dans tous les sens. Alors, toi. Non, on va peut-être quand même garder les. On le bute, hein. Pas de pitié, on le bute. Voilà, toi tu restes là. Donc on reconnaît hein, ce cheminement. C'était l'ancien vaisseau qu'on avait eu à faire. Qui était du même acabit. Bon, cette fois-ci je me mets directement aux portes. Et on va emmener tout le monde. Le sniper. Toi, tu vas rester là. Voilà. Toi, t'as beaucoup d'unités de temps. Principal, voilà. Donc lui, ça va être l'assommeur. Hein. On prépare tout le monde au cas où. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. En fait, les armes, on peut les utiliser. Hein. Je peux prendre l'arme, par exemple, de ce bonhomme-là. Et je peux très bien utiliser les armes aliens. Par contre, sincèrement, je sais pas du tout ce que ça vaut. Hein. Donc les recherches sont faites pour ça. Hein. Quand on recherche le pistolet alien, on peut l'utiliser. Autrement, on peut pas l'utiliser. Hein. Et donc ce qui est vraiment une bonne chose hein, parce qu'effectivement si on est à court de munitions on peut totalement récupérer une arme. Je trouve que c'est une très bonne idée. Hein. Le psionique hein, il recule devant rien. Donc apparemment il y en a plusieurs. Allez. Donc, le premier alien.
Ah la vache, ils sont costauds. Non seulement ils sont costauds, mais en plus. Allez. Crève ordure. Voilà, un de moins. Alors je sais qu'il y en a deux côtés, hein, j'ai dû recharger la partie parce qu'ils m'ont bombardé de grenades. J'avais jamais vu ça. Mais ça m'a détruit toute mon équipe en fait. Hein. Donc là on va faire un petit peu gaffe. Et toute l'équipe qui était morte, c'est juste pas possible. Là c'est mon élite quoi. Hein. C'est mon élite, donc hop. On ferme la porte. Toi, est-ce que tu peux encore faire quelque chose? Non, petite grenade, on peut pas. Voilà, on fait passer le tour. Toi, tu fermes la porte. Tu peux pas? Non. Allez. Voilà, c'est rebelote. Putain, mais sérieux, quoi. Oui. Bon, j'ai un mort. Hein. J'ai un mort. Je sais pas qui c'est. Il est pas blessé. Lui, il est blessé, mais. Mais il s'en sort encore. Putain d'enfoiré. Hein. Allez. Lui il a rien. Lui il a rien. Lui non plus. Toi, tu vas aller ici. Et tu vas me choper ce putain d'enfoiré. Hein. Il y en a deux qui sont dans les vapes. Non, il y en a deux qui sont morts. Hein. Bordel de merde. Il me faut 76. Allez, on va prier pour que ça marche. Bon, au moins il est supprimé. Oh, putain. Deux morts, autographe, était difficile, purée, mais en plus c'était deux bons, hein. Major, major. Ah la vache, ça c'est un coup dur, ça c'est un coup dur. Donc guerrier Cézanne, soldat Cézanne à la recherche. Ouais, ça se complique, hein. Ça se complique réellement. Donc, en fait, le grand va faire un raid, hein. On va choper un plus tard parce que là, ça va pas aller. Mais c'était en plus clairement inévitable, hein. Je suis rentré dans le vaisseau là et j'étais monté à l'étage, donc je m'étais préparé à l'assaut et ils m'ont au moins envoyé trois grenades. Trois grenades avec le réacteur qui pète et ainsi de suite, ça m'a fait un. J'avais au moins 5 morts sur un tour. Donc plutôt que de continuer, j'ai préféré recharger. Pour que ça se passe quand même un petit peu mieux. Hein. Ah bah écoutez, on va recruter. Hein. On va recruter donc du bouclier et de l'assaut. Donc assaut, pas besoin de précision forcément. Hein. Du réflexe par contre, des unités de temps, toi t'es bien. Bravoure, c'est pas terrible par contre. Hein. Précision, force. La force, c'est pas terrible.
J'aime bien la force, hein, comme ça, c'est bien aussi. Donc force pour transporter. Hein. Toi, t'es un bon assaut aussi. Allez, on recrute ça. Ça nous fait combien de soldats? Ah ben voilà, j'en ai un déjà. Putain, je suis con. Donc, un bouclier, le spécialiste, toi tu vas... Tu vas pas rester spécialiste longtemps, je pense. Hein. Bouclier, toi t'étais bouclier. On te remet bouclier. Un bouclier avec une armure Wolf. Voilà, ça le fait. Un chargeur, ça suffira largement. Bouclier, ce que j'aime bien, c'est ça. Grenade, il est faux. Hein. Donc on laisse tel quel. Et tu vas aller dans le Shrike. Voilà. Le Shrike qui va avoir mon nouveau tank. Qui est joli hein, quand même. Hein. Beaucoup plus blindé. Et il y en a un deuxième qui va arriver, qu'on va envoyer dans une autre base, hein, tout simplement pour la défendre. Le corsaire, encore 5 jours. Armure Wolf, comment ces projets, on va en faire 3. Non, non, non. Parce que j'ai vu qu'il y avait une autre armure en recherche aussi. Vous voyez, armure Predator. Excellente protection. Arme lourde sans pénalité. Ça c'est bon. Et explosif au plasma. Ça va être les deux prochains. Ah ça c'est intéressant aussi. On verra, on verra, on verra. En tout cas la base, celle-ci on va l'attaquer. À l'heure, on va préparer nos assauts. Hein. Putain, il lui manque juste 3 médailles à lui. Hein. Firme industrielle, hein. T'es mon héros. J'ai pas d'armes placement en plus. Mitrailleur. Mitrailleur. Ouais, major, hein, c'est ce que j'ai perdu tout à l'heure. Hein. Purée, c'est dégradé. Hein. Il me reste une arme laser. Ça peut être peut-être plus utile. Ouais, là c'est plutôt bien. Voilà, on va faire comme ça. Quasiment un assaut avec un lance-roquette quoi. Hein. Avec des grenades aussi. Santé, ça va pas fort hein, chez Sylvain. On va attendre qu'il se rétablisse. Voilà, bah ça nous fait 8 gars, un tank blindé. On va attendre que Sylvain se rétablisse. On attend encore 3 personnes pour avoir un peu de rab hein, quand même. Lui aussi était bien parti. Hein. On va attendre qu'il se. Donc il se soigne et puis on va faire la base. Hein. Voyons voir. Au niveau des recherches, il n'y a pas eu grand-chose de plus. Hein. Arme alien, canon plasma. Donc ça, pareil, il faudrait que j'y pense, hein, de récupérer des armes. Un système de communication alien, donc ça on a découvert. Hein. Donc niveau communication, hein, vous avez vu, hein, il faudra faire le centre cryptologique quantique. Autrement niveau aviation, ça commence tout doucement à être intéressant. Là, il manque quand même encore un garage. Hein.
un hangar, pardon. Pour avoir une flotte raisonnable. Et il manque aussi des personnes recrutées. Allez. Et un petit dernier. Voilà. Donc ça en fait 13. Lui, il n'a pas de véhicule. Les véhicules, justement, toi, t'es bon. Toi, t'as pas de véhicule. Mais est-ce qu'il y a un garage? Non, il n'y a pas de garage non plus. Je vais quand même en construire. Hein. J'ai encore du pognon. Ah, laboratoire quantique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, d'accord, non. C'est le laboratoire tout court, quoi. C'était l'amélioration du laboratoire. Garage. Voilà, on va le construire ici. Entrepôt, c'est bon. Et un garage. Toi aussi. Allez, hangar. 1, 2, 3, 4. Batterie à plasma. Et radar. Plus qu'un million, hein. Ça part, ça part. Il faudrait qu'on fasse des missions, hein. Ok, bah écoutez, je vais sauvegarder ici. On va sauvegarder, donc mission avec des morts. C'est dommage, hein. C'est dommage, mais je peux pas faire grand-chose à ce niveau-là. J'aurais dû faire un assaut groupé tous en même temps à coup de grenade, mais bon, c'est fait, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais encore dire une chose. Donc on va faire la base. Les corsaires, je sais plus trop ce que je voulais dire. Bah, c'est pas grave, hein. On verra ça sur la prochaine vidéo. Ça va en avoir avec tout ça. Pistolet laser, on peut en transférer. Tiens, attendez. Tant qu'on est là, on va transférer un pistolet laser en base Indochine avec le fusil de sniper. Hein. Non, fusil de sniper, on le laisse. Allez, on va transférer, hop. Pourquoi le fusil de sniper? J'ai plus de sniper moi. Qu'est-ce que tu dis en précision? T'es pas terrible toi. Ah, le sniper doit être blessé, je pense. Ou mort. Blessé ou mort. Précision 61. 74. Ben voilà, mais écoutez l'équipe qui change, hein. Le sniper. Donc Sylvain, hein, tu passes du plasma au laser, mais c'est pas une rétro, c'est pas rétrogradé, hein, au contraire. Sniper, c'est toujours bon. Sniper. On va le laisser tel quel, hein. Il lui faut une armure quand même. Et le spécialiste. Non, le fusil est ici. Hop, hop, hop. On va le mettre en plasma. Et le spécialiste, on va le mettre. En fusil laser. Voilà. Limite le spécialiste va passer tu vas passer fusillé, hein. De toute façon j'utilise jamais les roquettes, hein.
fusil, une armure jacal, avec un équipement de pointe, hop hop, c'est-à-dire le bâton électrique. Et encore peut-être une deux grenades. Voilà. Donc le sniper, on est bon. Lui, on est bon aussi. Un jacuzzi, c'est un bleu en fait. Hein. Aucune médaille. Limite, il mérite pas l'armure Wolf. Ouais, je ferais mieux de la mettre à lui. Hein. On n'a plus d'autre armure. Bon. Bah écoutez, en tout cas. On va re-sauvegarder. Voilà, bah écoutez, donc on se retrouve sur la prochaine vidéo, donc pour la base en Océanie. Une fois qu'on aura fait celle-ci, je pense qu'ensuite le globe sera couvert, mis à part ici. Et on va mettre une dernière base, hein, ici et ici, vraiment au cas où. Mais autrement, là le globe est quand même bien couvert. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt. Hein. Allez, bye bye.